face Opticon lecteur code barre autonome pour EBP. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est d'avoir des données réelles correspondant au terrain dans son stock parce que on fait le scan de manière autonome dans l'entrepôt et les données sont directement envoyées à EBP sans ressaisie. Comment se présente le lecteur? Il y a un menu très simple. La première fonction, c'est le scan des codes barres. On peut saisir la quantité ou mettre un par défaut. Donc vous remarquez, pour 56 produits, je ne scanne qu'une seule fois. Ensuite, j'ai un menu qui permet de voir ce que j'ai dans mon lecteur. Et puis, j'ai le menu de déchargement. Donc il y a plusieurs modes de déchargement. Le déchargement douchette est prévu par EBP. Quand je vais par exemple faire un bon d'entrée de stock, je crée mon nouveau bon d'entrée. J'ai un petit bouton ici qui me passe en mode importation de douchette. Je branche mon lecteur. Je démarre l'écoute du périphérique et j'envoie le téléchargement qui peut durer un certain temps en fonction de la vitesse de votre PC. Quand le transfert est terminé, on peut conserver les données ou les supprimer. Dans ce cas-là, je vais les supprimer et je vais voir, j'arrête mon écoute du périphérique, je vais voir le résultat. J'ai 66 scans de ma première étiquette et 9 scans de ma deuxième étiquette. Ça, c'est le mode douchette quand vous avez la douchette ici. Ça, c'est le mode douchette quand vous avez cette icône. Si vous ne l'avez pas, on va utiliser le mode formulaire. Donc, je retourne ici. Je scanne mes produits à nouveau. Et je vais dans un formulaire qui n'a pas ce bouton. Par exemple, je vais dans Documents de stock, Ordre de fabrication. Je fais Nouveau. Je place mon curseur dans la case. J'appuie sur la touche Formulaire. Le formulaire se remplit tout seul avec mes caractéristiques de produit et j'ai plus qu'à valider. Voilà, donc quelle que soit la saisie que vous avez à faire, ce lecteur vous aidera à gagner de la rapidité et de la fiabilité. Rendez-vous sur notre site logicielgestionstock.fr. Merci.